Heureux d'accueillir aujourd'hui Yanis Roder, professeur agrégé d'histoire. Il enseigne depuis 1999 dans un collège ZEP de Seine-Saint-Denis, membre du collège des sages de la laïcité, auteur de La jeunesse française, l'école et la laïcité, et aussi La République, pardon, vous voyez déjà dans le. Et prof, mission impossible, point d'interrogation. On accueille également Alain Sexzig, montpelliérain, ancien instituteur. Inspecteur général de l'éducation nationale, secrétaire général du Conseil des sages de la laïcité. Il a participé à de nombreux ouvrages, dont Les religions, l'école et la laïcité, ou encore Faire vivre la laïcité, donc au cœur de notre table ronde. Je me retourne vers l'autre côté. On est très heureux d'accueillir donc un spécialiste du droit administratif, de la fonction publique, du droit de la fonction publique, François-Xavier Faure, maître de conférence à la faculté de droit et de sciences politiques. Et Olga Krompaski, que vous connaissez bien, qui est directrice des relations publiques à la ville de Montpellier, qui va aussi nous apporter son regard sur ce sujet de comment faire vivre la laïcité, à quoi elle sert. Pour commencer, de manière très succincte, puisqu'on a pris un peu de retard et qu'on a très envie d'avoir des échanges avec la salle, un propos liminaire, puis on aura une séquence sur l'application de la laïcité à l'école. Et ensuite, un temps sur son interprétation, son application concrète à la ville de Montpellier, avec des cas pratiques, puis des échanges, avec au début des échanges, on aura une prise de parole de Madame la Rectrice, qui est avec nous, et puis un temps de clôture avec Monsieur le maire de Montpellier également. Donc, on a un programme très chargé. J'arrête de parler, je laisse la parole. Yanis ou alors Alain, non? Ah non, d'abord, oui, on avait dit qu'on commençait avec un cadrage sur la neutralité. Avec François-Xavier, excusez-moi. Je vous remercie. Alors, très brièvement, je vais essayer de dresser un cadre de ce que peut être la neutralité dès lors qu'elle est appliquée aux agents publics. Je crois qu'avant de parler de laïcité, de neutralité, il est nécessaire de poser un cadre, celui qui est reconnu aux fonctionnaires, c'est la liberté d'opinion. Tout fonctionnaire a droit d'avoir une opinion. Cependant, aussitôt, il faut relativiser cela. Dans la mesure où l'agent public, s'il a une opinion, doit exprimer son opinion, qu'elle soit politique, religieuse, philosophique, avec une certaine mesure, dans la mesure où il représente le service public. On a de suite cette idée d'une limitation, et cette limitation prend la forme d'une neutralité. Neutralité du service. Et cette neutralité du service est une forme d'échange. Le service public n'a pas imposé une quelconque référence politique, religieuse à ses agents. Et d'un autre côté, les agents n'ont à garder que pour eux leurs convictions personnelles. À partir de là, il pèse sur les agents une obligation de neutralité, de ne pas exprimer librement leurs opinions dans le cadre du service. Alors, cette neutralité est tout à la fois une obligation et une garantie pour les fonctionnaires. Obligation, celle, finalement, d'exprimer une interdiction d'exprimer leurs opinions dans l'exercice de leurs fonctions. C'est également, et cet aspect est extrêmement important, me semble-t-il, pour les agents publics, une garantie. L'évolution de leur carrière ne saurait dépendre de leurs opinions. Et ce double aspect est, à mon sens, extrêmement important, car pour l'usager, il est une véritable garantie. L'usager sera traité de la même manière, quelles que soient ses opinions. Alors, aujourd'hui, dans le droit de la fonction publique, il est clair que la laïcité rencontre la neutralité. En effet, c'est l'État qui est laïque en France. Le fonctionnaire n'a pas à être laïque, il doit être neutre.
Mais progressivement, on a fait rentrer dans le droit de la fonction publique neutralité, mais aussi laïcité. Et à présent, dans le Code général de la fonction publique que l'on a depuis un peu plus d'un an, on nous dit que le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il va s'abstenir de manifester ses opinions politiques et ses opinions religieuses. Alors, la jurisprudence, je vais très vite, la jurisprudence, elle, tient compte de cette situation, et s'il y a une réelle protection de la liberté de conscience des agents, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils exercent leurs opinions, qu'ils expriment des opinions, mais aussi qu'ils arborent des tenues symbolisant leur religion. Et la position du Conseil d'État est relativement ferme là-dessus, et le juge administratif suit cette ligne. Un fonctionnaire ne peut pas avoir sur lui de signe, quel qu'il soit, ostentatoire, d'une religion quelconque. Voilà pour un bref propos introductif. Merci beaucoup. Je me retourne vers nos membres du Conseil des sages de la laïcité. Merci. Alors, vous nous avez demandé de dire en quelques mots c'est quoi la laïcité. C'était votre question. C'est un peu dur de le dire à Patrick Weil, qui en a parlé pendant une heure et beaucoup plus savamment que nous ne pourrons le faire. Mais on va s'astreindre à répondre à votre question. Alors, qu'est-ce que la laïcité? Il nous arrive souvent d'en parler dans des classes avec des élèves, y compris pour ma part, j'ai été instituteur, j'ai été directeur d'école élémentaire, il m'arrivait d'en parler avec des élèves d'école élémentaire. Donc, comment en parler avec ces élèves? Eh bien, en général, je commence par évoquer l'étymologie du mot laïcité, qui nous vient du grec ancien, laos, le peuple, dérivé laïkos. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, dans le grec moderne, on dira d'une chanson populaire qu'elle est laïki. Vous voyez. Et donc laos, le peuple. Mais le grec, dans sa subtilité, avait trois mots pour parler du peuple. Il y avait l'ethnos, qui est le peuple considéré comme civilisation, comme race. Pour les Grecs, par exemple, les Perses étaient ethnos. Il y avait le démos qui est le peuple délibérant, on le sait, qui a donné démocratie, etc. Et puis il y a le laos. Le laos, c'est le peuple considéré dans sa masse, dans son unité, dans son ensemble. Et on peut en conclure rapidement que la laïcité, c'est le principe d'organisation du peuple dans son ensemble, par-delà la diversité des sujets qui le composent, ce peuple. Cette question a longtemps hanté notre pays, et en particulier depuis les guerres de religion, qui ont été, chacun le sait, particulièrement meurtrières. Alors, à la suite de la Révolution française, qui en a posé les bases, la République, le 9 décembre 1905, donc il y a tout juste 117 ans, a fait de la laïcité la clé de voûte de son fonctionnement et de son action, l'érigeant même au sortir de la Seconde Guerre mondiale en principe constitutionnel. Patrick en a parlé aussi. Alors, j'explique aussi que la laïcité, ça signifie avant tout trois choses. D'abord, la séparation, c'est le titre même de la loi, chacun le sait, de 1905, la séparation des églises et de l'État, pas de mainmise de la religion sur les affaires de la cité et pas d'ingérence de l'État dans celles des églises, entendu bien sûr au sens de religion. Deuxièmement, la distinction, Patrick en a parlé tout à l'heure aussi, entre ce qui relève de l'espace public, ce qui est ressorti à la sphère privée. Et enfin, c'est la liberté de conscience, la liberté absolue de conscience, dont une des composantes essentielles est bien entendu la liberté de culte. C'est tout l'objet de la loi de 1905 et de celle du 15 mars 2004, qui s'inscrit bien dans la continuité de la loi de 1905, contrairement à une petite musique qu'on commence à entendre ici ou là. Nous pourrons y revenir concrètement tout à l'heure dans la deuxième partie. Et je laisse mon collègue et ami Yanis Roder vous parler plus précisément du Conseil des sages de la laïcité et de son action.
Merci beaucoup, Alain. Mesdames et messieurs, je suis ravi d'être là, madame la rectrice, monsieur le maire. Alors, le Conseil des sages a été créé en janvier 2018 par le précédent ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, mais le Conseil des sages s'est inscrit dans une continuité, en réalité, puisque en 2013 avait été édictée la charte de la laïcité sous le contrôle et d'après la volonté ministérielle de Vincent Peillon. Avaient été ensuite créés, après 2015, les référents laïcité dans les différentes académies, et la création du Conseil des sages est venue, si vous voulez, continuer cette œuvre et en même temps fournir à l'institution scolaire, à l'éducation nationale, un cénacle composé d'universitaires, d'intellectuels, d'inspecteurs généraux et de professeurs qui ont travaillé et qui continuent de travailler sur le principe de laïcité, mais aussi sur les valeurs de la République, de manière à outiller le corps enseignant, les équipes pédagogiques sur le terrain. J'ai toujours en tête, moi, une phrase de Mona Ozouf qui, en 1982, dans un livre intitulé « L'école, l'Église et la République », disait en substance « Finalement, la laïcité, c'est réglé. Voilà, tout va bien. Même les catholiques ont accepté la laïcité. Tout cela est derrière nous. Nous pouvons avancer sereinement. » Elle disait ça en substance. Bon. Si les instances ministérielles, quels que soient les bords politiques d'ailleurs, ont décidé de mettre en place la charte de la laïcité, puis les référents laïcité, puis les équipes valeurs de la République, et puis le Conseil des sages de la laïcité, c'est que finalement aujourd'hui la question n'est pas réglée, ou alors plutôt la question est revenue sur le devant de la scène politique, puisqu'aujourd'hui la question de la laïcité est une question éminemment politique. En réalité, elle a toujours été une question politique. Et donc, c'est dans ce contexte qu'a été mis sur pied le Conseil des sages de la laïcité, qui n'est pas évidemment partisan, qui travaille à partir des textes et qui travaille à partir de la philosophie qui anime la question de la laïcité. Je continue le panorama en passant la parole à Olga, qui, je pense, va vouloir nous donner des éléments aussi sur le terrain, parce que c'était l'objet de cette conférence, de voir comment on le fait vivre. Oui, donc ce principe politico-juridique qu'est la laïcité est un principe de respect de l'altérité. Pour nous, agents publics, doit faire partie de notre ADN la neutralité, pour qu'une égalité de traitement de tous les citoyens, quelles que soient leurs options philosophiques ou religieuses, soit mise en avant. Bien entendu, ce principe, ça paraît simple comme ça. Dans la réalité des faits, ça peut être quelquefois beaucoup plus complexe. Je ne prendrai qu'un exemple. Qui est un exemple qui n'est pas forcément léger, c'est l'exemple des cimetières. Là, nous avons créé, la métropole de Montpellier vient de créer, juste un cimetière métropolitain. Dans ce cadre-là, nous avons eu à cœur, véritablement, de manifester un égal respect dans un cadre parfaitement républicain auprès de toutes les confessions, pour que chacun, au moment du deuil, puisse faire face à cette échéance particulière et douloureuse avec un égal respect, une égale dignité et un traitement parfaitement égalitaire. Donc ça, c'est vraiment notre ADN, et je tenterai, par certains exemples vécus, de susciter le débat auprès de vous, puisque véritablement, la laïcité, elle est au cœur de notre quotidien en tant qu'agent public. Alors, comme vous l'avez compris, ce premier tour de table, c'était pour vous teaser, vous donner plein d'idées de questions pour nos intervenants. On va entamer une deuxième séquence donc sur particulièrement l'application de la laïcité à l'école, qui est un sujet évidemment d'actualité. Merci. Alors, l'application de la laïcité à l'école, la laïcité est consubstantielle aujourd'hui de l'école. C'est un principe qui cadre le fonctionnement de l'école, mais avant que nous abordions précisément, et peut-être que mon collègue le fera à ma suite, cette question de la laïcité à l'école, je voudrais faire un petit point sur un sondage qui vient de sortir aujourd'hui. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, sur beaucoup de radios ce matin on en parlait, sondage de l'IFOP, de notre ami François Cros, qui est l'habitude de sortir ce genre de sondage, puisqu'il avait sorti à peu près le même en 2018, puis à peu près le même... Alors, en 2018, c'était pour le CNAL. En 2020, c'est pour la Fondation Jean Jaurès. Pardon ? En toutes lettres, comité.
Oui, Comité national d'action laïque, pardon, c'est vrai que tout le monde ne connaît pas le CNAL. 2020 pour la Fondation Jean Jaurès, et puis là, 2022. Et que nous dit ce sondage qui a été présenté au cabinet du ministre mercredi ? Il nous dit beaucoup de choses, mais je vais faire un zoom sur trois points importants. D'abord, le premier point, c'est que ce sondage nous dit que 56% des professeurs de l'enseignement secondaire public se sont déjà auto-censurés pour éviter d'aborder des questions religieuses. 56%. 56%, c'est 20 points de plus qu'il y a 4 ans. Donc ce n'est pas anodin. Cela nous dit quelque chose de l'ambiance qui peut régner dans certaines salles de classe, dans certains établissements, mais également, finalement, ce que j'appellerais, moi, de l'insécurité intellectuelle dans laquelle se trouvent des enseignants qui préfèrent, finalement, et je ne jette la pierre à personne, c'est juste un constat que je fais, qui préfèrent se taire plutôt que d'avoir à affronter des élèves devant lesquels ils ne se sentent pas assez assurés sur le fond, mais peut-être aussi sur la forme. Deuxième point qui me semble très important dans ce sondage, qui est disponible en ligne, vous allez sur le site de l'IFOP, voilà, vous y avez accès, c'est ce que constate l'Institut de sondage sur les 15 derniers mois, c'est-à-dire depuis la rentrée de septembre 2021, où on voit une accélération importante des faits rapportés par les professeurs. Par exemple, on a une accélération importante du nombre d'enseignants. 15% des enseignants disent avoir constaté des jeunes faisant la prière dans leur établissement scolaire. 15%. Bon, je vous avoue que quand on a vu ça, on a été extrêmement surpris. Et cela sur les 15 derniers mois. De la même manière, 27% ont constaté des ports de tenues religieux ostensibles. À l'intérieur, durant ces 15 derniers mois, 27% des enseignants, plus d'un quart des enseignants. Donc on est sur un fait qui tend à s'accélérer, des choses qui semblent à s'accélérer, un constat qui... Alors qui s'est traduit quelque part dans les faits, puisque ce matin, dans le Parisien, je crois que c'est dans le Parisien, le ministre a annoncé les chiffres qu'on attend maintenant mensuellement de signalement de contestation de la laïcité. Le ministre a annoncé 353 signalements. C'est deux fois moins, à peu près, qu'au mois d'octobre. Mais ne nous y trompons pas. Alors, on peut toujours se réjouir, c'est vrai, et tant mieux qu'il y ait moins de signalements. Mais au mois d'octobre, nous étions dans la période de commémoration des 2 ans de Samuel Paty, et nous savons maintenant par expérience qu'au moment où nous avons de ce type de commémoration, le nombre d'incidents mathématiquement augmente. Donc, ce qu'il faut regarder, je crois, c'est que il y a un an, à la même époque, novembre 2021, nous n'étions pas à 353 incidents, mais à peu près autour de 200. Voilà. Et donc, il y a une augmentation qui est réelle et qui est importante et qui marque une tendance, parce que ce ne sont pas des statistiques. Et il faut bien avoir en tête que ce ne sont pas des statistiques. C'est une tendance que nous donne l'Éducation nationale, le ministère, parce que ces incidents reposent sur le déclaratif. Or, beaucoup de choses se résolvent dans les classes, se résolvent dans les établissements scolaires et ne sont pas signalées, ne remontent pas. Donc ce sont juste des tendances que nous donnent ces chiffres. Je reviens alors c'est pas le mien, mais au sondage de l'IFOP, je ne travaille pas pour l'IFOP. Le troisième point qui me semble important dans ce sondage et qui doit tous nous interroger, ce sont les prises de position des jeunes professeurs, des jeunes fonctionnaires de moins de 30 ans. Sur deux questions, notamment deux questions importantes. La première, c'est la question du port de signes ostensibles religieux par des élèves à l'école. Les jeunes fonctionnaires sont 32% à penser que les jeunes devraient pouvoir, au collège et au lycée, arborer des signes ostensibles religieux. C'est-à-dire qu'un tiers des jeunes fonctionnaires de l'Éducation nationale considèrent que, voilà,
ce n'est pas finalement, c'est pas un problème. Voire, comme j'ai pu moi l'entendre dans certaines réunions que nous pouvons animer, je vois pas pourquoi on les embête avec ça. Voilà, donc là, il y a une vraie question. On pourrait, comme le dit un commentateur dans le journal Le Point ce matin, on pourrait se dire, ce sont des jeunes enseignants qui, la plupart du temps, sont envoyés dans les réseaux d'éducation prioritaire et qui, donc, face à la pression, pourraient dire, bon, si on ne les empêchait pas de porter ces signes ostensibles, on aurait la paix. Hein. En fait, ce serait une manière d'acheter la paix sociale. Peut-être, mais il y a un deuxième chiffre qui, moi, me fait penser que ce n'est pas ça la question. Ce deuxième chiffre, c'est le pourcentage de jeunes enseignants de moins de 30 ans qui considèrent que les fonctionnaires de l'éducation nationale doivent pouvoir arborer un signe ostensible religieux. Et là, on est également à 32%. Un tiers des jeunes professeurs de moins de 30 ans considèrent qu'un fonctionnaire doit pouvoir afficher ses appartenances religieuses, s'il en a. Alors la question évidemment que cela pose, c'est quelle est la compréhension et la lecture que ces jeunes fonctionnaires font à la fois de la neutralité axiologique qui est due par la fonction publique et donc par les fonctionnaires, et de la laïcité. Et derrière cela, à quoi rattache-t-il le projet de l'école ? Voilà, ce sont les questions, je crois, que l'éducation nationale se pose aujourd'hui. Le ministre pose également ces questions en insistant très fortement sur la formation et sur le besoin et sur la nécessité de former, notamment dans sa circulaire du 9 novembre dernier, il a un point important sur la formation des chefs d'établissement qui, eux-mêmes, sur le terrain, devront être capables de rappeler ces éléments absolument essentiels et qui sont cardinaux dans la constitution de notre République, parce que, comme le disait le grand pédagogue et homme politique Ferdinand Buisson, le rôle de la République, c'est de faire des républicains. Or, si nous avons des professeurs, et notamment des jeunes professeurs, qui ne comprennent pas ou qui ne semblent pas comprendre ce que signifie être fonctionnaire dans la République, je crois que nous avons un grand et long travail devant nous. Bien, c'est pratique de parler après Yanis parce qu'il a tout dit. Donc on insistera sur l'importance et la nécessité de la formation de nos personnels. Vous savez, quand j'ai commencé il y a très très longtemps, dans les années 1970, quand j'ai commencé il y a longtemps à être instituteur dans le quartier de Belleville à Paris, un quartier très cosmopolite, nous ne parlions jamais de laïcité entre nous. Jamais. C'était une question qui était réglée depuis très longtemps. Ça ne faisait même plus partie de nos temps de formation, alors que c'était au cœur de la formation des hussards noirs de la République, cher à Charles Péguy. Là, ça avait disparu. On n'en parlait plus. Une fois l'an, il faut bien dire. Quand nos syndicats nous appelaient à descendre dans la rue contre l'octroi de subsides un peu trop importantes à l'enseignement privé, c'était à peu près la seule journée où on évoquait la laïcité. Mais sinon, on n'en parlait plus. Ça semblait aller de soi. Ben, aujourd'hui, on voit bien que ça n'est plus le cas, d'où la création du Conseil des sages, parce que de la même manière, si un ministre, dans les années 60-70, avait décidé de créer un Conseil des sages de la laïcité, on se serait tous demandé quelle mouche l'avait piqué. Bon, voilà, ça faisait plus partie du paysage depuis longtemps, les choses paraissaient réglées. Bon, on voit bien que ce n'est plus du tout le cas. Récemment encore, tout le monde en a entendu parler, la presse en est beaucoup fait l'écho, on a assisté à la multiplication de provocations à base de tenues dont on se demandait, un peu comme en 89, à l'apparition de ce qu'on ne savait pas nommer. Depuis, on nomme le voile, mais à l'époque, on ne savait même pas le nommer. On disait foulard, on disait fichu, certains disaient fichu foulard, etc. On ne savait pas. Là, récemment, on a vu apparaître des tenues qu'on ne connaissait pas trop. Abaya, longue robe, de couleur sombre généralement pour les jeunes filles, camise pour les garçons. Donc on a pléthore de signalements qui remontent. Fait partie du Conseil des sages de la laïcité un homme que vous avez peut-être déjà entendu ou lu, c'est Khaled Benchir, qui est par ailleurs président de la Fondation de l'Islam de France, qui nous a dit clairement en réunion du Conseil,
Bon, ces tenues ne sont pas en elles-mêmes religieuses. Il n'y a aucune prescription à les porter de nature religieuse, donc. Mais de toute évidence, il y a, pour les jeunes gens qui les portent, l'intention de manifester une appartenance claire à une religion et même à une ère géopolitique claire, enfin, qui est l'ère proche-orientale pour l'essentiel, un peu le Maghreb, où ces tenues ont cours. Alors, certains ont pu croire que c'était, encore une fois, de l'ordre de la fantaisie adolescente. C'était déjà un argument qu'on avait entendu en 89. Mais pour les dissuader de persévérer dans l'erreur, je voudrais rappeler que ces tenues ne sont pas si nouvelles que ça pour nous. Elles sont apparues pour la première fois l'année 2010-2011 dans un lycée de Seine-Saint-Denis, où j'exerçais alors, un lycée de Saint-Ouen. Et derrière les jeunes filles qui portaient cette tenue et la volonté de la porter dans le cadre de l'établissement, dans le cadre des cours, il y avait déjà un homme qui a beaucoup fait parler de lui par la suite et qui a eu un rôle funeste dans l'assassinat de Samuel Paty, c'est Abdelhakim Sefrioui, qui déjà à l'époque, en 2010-2011, s'était fait passer pour l'oncle d'une des jeunes filles pour pouvoir accéder au bureau de la proviseure à qui il expliquait doctement que vraiment c'était une tenue culturelle qu'il fallait accepter, au nom de la laïcité il fallait accepter. Bon voilà, cet homme qui dirigeait une association islamiste dissoute depuis, voilà, on sait quel rôle il a joué, parler de fantaisie adolescente alors qu'il y a une provocation délibérée derrière ce phénomène, ça pourrait faire sourire si ça n'était grave. Hein. Alors, Yanis le disait à l'instant, on a tous ça en tête, depuis l'assassinat de Samuel Paty, on peut comprendre que des professeurs aient peur. Il y a des professeurs menacés aujourd'hui dans notre pays, menacés hein, pour les mêmes raisons, parce qu'ils ont fait cours sur telle ou telle chose, y compris sur la reproduction, la création, etc. Et donc on peut comprendre qu'ils aient peur, mais le meilleur hommage que nous puissions rendre à Samuel Paty, c'est de nous montrer plus fort que cette peur. Et c'est de savoir réagir collectivement, de manière cohérente, avec cohésion. C'est cela, justement, qui parfois a pu faire défaut au cours des 30 dernières années, parce qu'il faut bien dire, depuis la première affaire de Voilà-Creil, c'est qu'on a pu réagir de manière différente, voire divergente, d'un établissement à un autre, sans même parler d'une académie à une autre. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes placés dans la nécessité de retrouver de la cohérence dans la réponse que l'institution doit apporter. Et cette cohérence, elle doit se retrouver, bien entendu, à tous les niveaux de notre institution et au plus haut niveau d'ailleurs, hein, au plus haut niveau d'abord, parce que les enseignants, les chefs d'établissement en particulier, ont justement besoin de s'adosser, de pouvoir s'adosser en confiance à leur institution. C'est parfois, il faut bien le reconnaître, dans les échanges que nous pouvons avoir, ce qui peut faire défaut et ce sur quoi nous avons à travailler aujourd'hui. Je voudrais pour terminer, ce n'est pas parce qu'il est de tradition de terminer par des mots grandiloquents, mais tout de même, ça aide des fois à penser ce que pouvait écrire Albert Camus le 26 décembre 1944 dans Combat. Voilà, on allait sortir de la guerre. Et il écrivait « Notre monde n'a pas besoin d'âme tiède, il a besoin de cœurs brûlants qui sachent faire à la modération sa juste place. » Voilà, tout est dit. Et 50 ans plus tard, le grand écrivain Amos Oz faisait écho à ce propos d'Albert Camus dans un texte daté de septembre 2003 qui était paru dans le Figaro 2 ans après le 11 septembre 2001. Et il disait, je cite qu'un extrait bien entendu, il écrivait « Il manque aux modérés, voilà, modération, faire la modération sa juste place, disait Camus, Amos Oz écrit « Il manque aux modérés la force de la conviction ». Ils ne sont pas saisis de la même ferveur que les fanatiques religieux lorsqu'ils défendent leur cause. Les modérés, aujourd'hui, ne doivent plus craindre de s'enflammer. Ceux qui connaissent l'alliance de la modération et de la détermination méritent d'avoir le monde en héritage, et ce, parce qu'ils n'auront jamais lancé ni croisade ni djihad pour sa possession.
à méditer, et ça peut être, ça peut nous inspirer. C'est oui, certainement très inspirant. Alors, pour rebondir là-dessus, c'est pas simple. Hein. Merci beaucoup, Alain. On va continuer quand même sur... justement, vous parliez de cohérence de l'institution et aussi de la question de la compréhension et de la formation des agents publics. Je pense que c'est un sujet qu'on va voir dans la deuxième partie de la table ronde avec vous, puisque la question de la laïcité, c'est vraiment aussi comment on la fait vivre. Et c'est pour ça qu'on s'adresse aux agents aujourd'hui dans cette journée de la laïcité. C'est aussi... pour voir quelle place vous avez, vous, au quotidien, pour incarner de la laïcité. Donc, Olga, je vous laisse nous proposer des cas concrets. Oui, effectivement, ce sont des cas que nous avons rencontrés, alors aussi bien vis-à-vis des agents publics que vis-à-vis du public que nous pouvons rencontrer. Donc, deux premiers cas qui peuvent être regroupés, c'est un agent public qui se présente sur son lieu de travail en arborant une étoile de David visible, ou une agent public qui souhaite rester voilée, sur son lieu de travail. Donc, bien entendu, nous avons la spécialiste qui pourra nous donner son expertise sur la réponse à apporter. La réponse, elle est relativement claire, je pense, de la part du supérieur hiérarchique. On a une position du Conseil d'État depuis 2000 qui interdit à tout fonctionnaire d'arborer un quelconque signe religieux. Donc, voilà... Il ne pourra pas, cet agent, malheureusement pour lui, aujourd'hui, avoir un tel signe religieux. Un autre cas vécu également, donc une religieuse qui a présenté une photo d'identité voilée pour sa carte d'identité. Alors là, bon, on est tous réduits à la même chose, quelles que soient nos convictions et notre profession, si je puis dire, puisqu'il appartient sur des documents officiels d'avoir une tête nue. Donc, cette religieuse sera obligée de se dévêtir le chef. Toujours un cas vécu, mais qui a été un peu plus complexe à gérer. C'est lors du dépôt d'un dossier de mariage, le monsieur n'a pas souhaité que sa future épouse puisse prendre la parole et nous a exprimé très clairement qu'il ne souhaitait pas la présence de femmes lors de la cérémonie, hormis celle de sa future épouse. Or, bien entendu, le jour choisi pour la cérémonie, l'élu qui devait officier était une adjointe au maire, hein, et par ailleurs, la plupart des officiers d'état civil accompagnants sont des femmes. Donc là se posait un double problème, à la fois vis-à-vis de l'élu, bien entendu, vis-à-vis de la légalité, puisque un mariage doit être officié la porte ouverte, et vis-à-vis également du public, puisque la jeune femme qui devait se marier nous a demandé, a demandé à son futur époux, mais est-ce que ma mère pourra être présente? Et il a refusé de lui répondre. Donc ça nous a aussi très profondément heurtés et nous avons tout mis en œuvre pour que ce mariage puisse être célébré de façon parfaitement républicaine, c'est-à-dire en bout de course et après une longue négociation où il a fallu rappeler très clairement et assez fermement à ce monsieur la règle de droit. En l'occurrence, c'est soit il acceptait la présence de qui souhaitait assister à ce mariage, soit le mariage n'aurait pas lieu. Et nous avons été ravis de voir que le jour du mariage, à la fois la mère de cette jeune femme était présente, mais également sa sœur, sa tante. C'est bien une élue qui a célébré le mariage et elle était accompagnée d'officiers d'état civil femmes. Mais sérieusement, c'est un véritable combat qui demande à la fois de la pédagogie, mais toujours revenir sur les textes. N'oublions pas, la laïcité, c'est tout d'abord un principe juridico-politique. Appuyons-nous sur les textes, n'oublions pas faire de la pédagogie et toujours revenir sur ces principes-là. Ce sont des principes qui sont fondateurs pour notre République et pour le vivre ensemble. Un autre sujet qui a été aussi un peu complexe, c'était une famille Lubavitch qui nous a demandé un aménagement d'un regroupement confessionnel juif pour pouvoir se recueillir à la tête du défunt et non pas à ses pieds. Je vous laisse la parole. Comment ça? Malheureusement, c'est pas possible. Moi, j'ai que des réponses négatives à ces problèmes. Je suis pas marrant.
Eh bien non, l'aménagement des cimetières, normalement, répond à des impératifs de laïcité et aucun administré ou usager ne peut se prévaloir d'un droit particulier face au service public. C'est une règle là qui est claire et qui caractérise le service public en France, puisque une des lois ou un des fondements principaux du service public, c'est le principe d'égalité. Et on ne peut pas prétendre, en tant qu'usager, avoir un aménagement spécifique. Donc, dans une telle situation, on est obligé de se soumettre, finalement, en tant qu'usager, à la règle. Et on ne peut pas revendiquer, dans l'aménagement... alors, comment on dit pas du... L'aménagement matériel de la concession... Là, on est obligé de se soumettre aux prescriptions qui sont définies dans chaque cimetière. Et un dernier cas, pour pouvoir susciter des questions ensuite de l'Assemblée, c'est un cas qui a été assez douloureux d'ailleurs. C'est un usager a été reçu par une collègue au guichet, et cette collègue a dû, dans l'exercice de ses fonctions, mettre son sceau avec son nom et son prénom. Et elle a eu la surprise de recevoir quelques jours plus tard une enveloppe à son nom et son prénom en mairie, avec des prospectus des adventistes du septième jour. Donc, vous pouvez imaginer à quel point elle a été heurtée. Donc, bien entendu, on a déclenché immédiatement une demande de protection fonctionnelle. Là, j'aimerais avoir votre avis, s'il vous plaît. Alors, là, c'est de la même façon... Le fonctionnaire, et heureusement que ça existe, lorsqu'il est mis en cause, finalement, peut et doit bénéficier de la protection fonctionnelle. Et là, il y a un cas, alors d'habitude, on utilise la protection fonctionnelle pour des agressions physiques, verbales. Alors là, on n'est pas dans ce cas-là, mais il faut rappeler, je pense, le cadre à l'usager, et il appartient là au supérieur hiérarchique, voire même à l'exécutif local, à bien définir auprès des usagers les règles de fonctionnement du service. C'est quelque chose qui est nécessaire. Alors, on peut voir la chose d'un autre versant. Il y a des cas en jurisprudence où carrément des fonctionnaires proposaient aux usagers des prospectus de type religieux. Carrément. Alors, on a en jurisprudence un guichetier de la Poste, quand la Poste était encore un véritable service public, qui donnait aux usagers des prospectus pour une secte. Voilà. Donc là, il y a une sanction disciplinaire qui s'impose et qui est nécessaire. Voilà. Un grand merci pour ces partages. Je pense que la salle aura aussi des questions à poser. Mais je voulais quand même repasser la parole parce que dans la première séquence, on n'a pas forcément eu le temps d'écouter peut-être des cas concrets aussi au niveau de l'école. Je pense qu'il y a une résonance par rapport à certains cas qui ont été mentionnés. Donc je voulais vous redonner la parole sur ce point. Oui, alors il y a beaucoup de situations problématiques, conflictuelles qui ont été consignées déjà en 2004 dans ce qu'on a appelé le rapport Aubin, du nom de son principal rédacteur, Jean-Pierre Aubin, mais il y avait une dizaine d'inspecteurs généraux qui avaient travaillé sur cette question. J'ajoute d'ailleurs que quand le rapport a été remis au ministre, il avait été commandé par deux ministres, qui étaient Luc Ferry, Xavier Darcos, à l'automne 2003, puis il a été remis en mars-avril 2004 au ministre qui, entre-temps, avait changé, c'était François Fillon. Oublier parfois que François Fillon a été ministre de l'Éducation nationale, mais il n'en a rien fait de ce rapport. Ce qui est le droit d'un ministre, l'inspection générale remet un rapport au ministre, le ministre en dispose. Mais enfin, de là à mettre dans un tiroir un rapport qui parlait de choses d'importance pour notre institution, certains ne l'ont pas supporté et ont publié néanmoins le rapport Aubin avec un certain nombre de commentaires. C'est ce livre paru aux éditions Max Milo, l'école face à l'obscurantisme religieux. Donc dans le rapport Aubin, déjà, il y avait un certain nombre de sujets, mais je vais en relever deux, un ou deux, peut-être même qu'un d'ailleurs, qu'une situation qui fait appel aussi au travail en commun avec les collectivités. C'est le cas de la cantine, la restauration scolaire. Bon, lorsque j'étais directeur d'école, je m'astreignais à passer tous les jours à la cantine, qui est un moment important quand même, parce qu'il passe beaucoup
toutes choses-là. Puis un jour, je suis attiré par du bruit. J'entends « mais non, tu peux pas, mais non, c'est pas possible. » Je m'approche des élèves qui passaient avec leur plateau au self. Et l'objet de la discussion, c'était que des grands de CM2, vous voyez comme c'est grand, de CM2, disaient à un petit, c'était pratiquement la rentrée scolaire, de cours préparatoire, « Mais non, tu peux pas manger du porc, toi t'es juif !» Le petit était tétanisé comme ça, et la dame qui servait à la cantine, qui donnait les plats derrière le self, dit « Ah bon, t'es juif ?» Tac, paf, elle lui reprend sa côte de porc, et paf, elle met poisson pané. Allez, on passe. Le soir, j'avais les parents dans mon bureau. Le père était, peut-être pas à l'époque, mais depuis est devenu sénateur. Et il me dit, si vous cherchez bien, vous connaissez votre galaxie, vous allez retrouver donc, dans le 20e arrondissement à Belleville. Alors, il était dans mon bureau avec sa femme. Il me dit, qu'est-ce que c'est que ça? On empêche mon fils de manger du jambon. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. On n'a rien demandé. On n'a rien demandé. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin? J'ai dit, mais évidemment, parce que moi j'étais intervenu pour dire... Enfin bon, j'en avais pas trop fait ce jour-là à la cantine, mais nous avions mis en place, à la suite de ce petit incident, et on voit bien que la dame de la cantine, comme les appelaient les enfants, elle voulait pas mal agir. C'était sympathique de sa part, elle croyait bien faire, mais en même temps, elle mettait le doigt dans un engrenage sans fin. Elle n'avait pas à se mêler de ça, évidemment. Donc nous avions mis en place à l'époque, avec la mairie du 20e arrondissement, une session de formation pour tous les agents de la restauration scolaire dans toutes les écoles. C'était sous la responsabilité de la mairie. Toutes les écoles du 20e arrondissement, bon, pendant un temps, ça avait porté ses fruits quand même, parce qu'il y avait des discussions, ils comprenaient mieux. Une autre fois, j'inspectais en Seine-Saint-Denis, j'arrive au moment de la cantine, je vais retrouver le directeur qui était sur place, et je vois une cantinière qui était avec son grand plateau, elle dit « La table des musules, elle est où la table des musules ?» Voilà, bon. Même chose, c'était pas méchant de sa part, faut aller que ça aille vite, c'était pratique, c'était commode, on les avait regroupés, mais non. Ça, tout ça n'est pas possible. J'ajoute, vraiment, ce sera mon dernier mot, ce n'est pas un cas concret, c'est pour signaler, mais beaucoup doivent le savoir, la parution en mars 2021 d'un rapport sur la formation au principe de laïcité des agents publics. C'est une de nos collègues du Conseil des sages qui y a participé, Isabelle de Mecknem, qui est philosophe, et avec le préfet Pierre Bénard. C'est un rapport qu'on trouve facilement, et qui enjoint à l'obligation de formation des personnels de la fonction publique territoriale. Donc c'est très important. Merci beaucoup pour cette excellente conclusion. On va passer aux échanges, mais en ouverture des échanges, donc comme je vous l'annonçais tout à l'heure, une prise de parole donc, de Sophie Béjon, qui est rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l'Académie de Montpellier. Et, donc, je vous laisse la parole. Vous souhaitez... vous pouvez vous mettre là-bas ? Oui ? Aucune déstabilisation. Merci beaucoup. Alors, d'abord, je voudrais saluer Monsieur le maire, le remercier de son invitation, saluer Mesdames et Messieurs les intervenants de cette table ronde, et puis vous toutes et tous, et j'ai reconnu et salué quelques représentants de l'éducation nationale, des établissements scolaires, de notre académie, et je me réjouis évidemment que vous soyez tous là. Alors, merci pour cette table ronde et ces échanges, c'était tout à fait passionnant, évidemment intéressant, et si vous permettez, j'aimerais dire quelques mots en partant moi aussi de situations concrètes et en vous disant à quel point pour l'éducation nationale, mais tout particulièrement dans l'Académie de Montpellier, la question de la défense du principe de laïcité et des valeurs de la République est une priorité. D'abord, c'est une priorité, même si au gré de l'histoire de notre système éducatif que Alain Sexy connaît bien, des rapports, des interpellations,
des décisions, des plans d'action aussi ont été décidés et mis en place. Moi, je vais vous parler de « ici et maintenant ». Ici et maintenant, dans l'Académie de Montpellier, d'abord la question des valeurs de la République, c'est une priorité. Et non seulement c'est une priorité, mais c'est le premier axe du projet de l'Académie de Montpellier. Cela nous a amené à mettre en place, il y a maintenant 2 ans, un pôle valeurs, et qui intègre bien sûr la question de la laïcité, du principe de la laïcité, de son application dans le cadre de l'école républicaine. Et ce pôle valeurs associe des inspecteurs, des équipes mobiles de sécurité, des représentants des établissements scolaires pour proposer à nos personnels, enseignants, mais pas seulement les enseignants en fait, hein, d'être à leur côté et de les épauler, de leur apporter des ressources. Et à cet égard, la question de la formation, ça a été évoqué par certains d'entre vous, est un point essentiel. Donc l'Académie de Montpellier, finalement, depuis quelque temps déjà, a développé, renforcé, y compris des formations pour ses personnels, ses professeurs tout particulièrement. Et depuis maintenant l'année dernière, il y a un plan de formation pour tous les personnels de l'éducation nationale, mais aussi pour tous les fonctionnaires de la fonction publique, qui est en train de se déployer. Et c'est un sujet, je trouve, qui pourrait être intéressant dans l'interaction avec les collectivités, hein, bien évidemment, puisque dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, il y a des agents des collectivités, et puis il y a les personnels de l'éducation nationale. Alors je pars d'une situation vécue, je vous l'avais promis. J'étais ce matin au lycée Jean Monnet, à Montpellier, pour ouvrir une journée de formation destinée aux 200 personnels de l'établissement, formation ouverte aux agents des collectivités, de telle sorte qu'au cours de 2 journées, aujourd'hui, lundi, puis une 3e journée qui aura lieu plus tard, nous puissions d'une part... dans cette formation qui est très intercatégorielle, c'est-à-dire à la fois le chef d'établissement, l'équipe de direction, l'équipe de vie scolaire, les professeurs, les agents des collectivités, tout le monde ensemble, nous puissions au cours d'un premier tiers apporter un contenu et puis faire participer aussi sur le principe de laïcité et son application et son histoire. Donc c'est une partie plus sur les fondements de l'application du principe de laïcité. Une 2e journée qui est consacrée aux situations concrètes de terrain. Et il y en a, et les exemples sont pris pour que chaque professeur, chaque CPE, adjoint d'éducation dans les vies scolaires, personnel des cantines, voilà, puisse se représenter ce que l'apport de ces formations va leur donner. Ça peut être des contestations du contenu d'enseignement, c'est ce qu'a vécu Samuel Paty, nous le savons, alors qu'il était en train d'enseigner la liberté d'expression et l'éducation média à l'information. C'est dans le programme, il faisait son métier, simplement. Ça peut être des contestations de certaines activités, comme les activités sportives, et puis ça peut être des exemples comme ceux de la cantine qui ont été donnés. En tout cas, il y a une journée consacrée au cas concret pour qu'il puisse y avoir un débat sur oui, mais comment on fait et comment finalement ça se présente et quelles sont les ressources et comment répondre. Et puis, il y a une troisième journée qui est consacrée à la question pédagogique, c'est-à-dire comment est-ce que dans la classe, dans la pédagogie, nous pouvons, les enseignants tout particulièrement, enseigner ce principe de laïcité et son application. Et moi, ce que j'ai trouvé remarquable, c'est qu'au-delà de ces contenus, qui sont en eux-mêmes déjà extrêmement intéressants, puis c'est assorti de ressources pédagogiques, il y a un excellent guide que le Conseil des sages connaît bien, et évidemment pour en avoir été à l'origine, un guide sur le principe de laïcité à l'école. Au-delà de ces partages, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait culture commune, on fait cohésion
je reprends les deux mots qui ont été dits tout à l'heure, on fait cohésion autour de l'école, et finalement, quand on dit à un enseignant « ne vous sentez pas seul face à une situation », certes, au moment où il fait classe, il est seul dans sa classe, mais s'il a participé à une formation avec tous les personnels de l'établissement, il n'est plus seul. Alors, il n'est plus seul dans son établissement, mais il n'est plus seul non plus dans son académie, puisque nous avons une équipe aujourd'hui de 100 formateurs dans l'Académie de Montpellier, qui se déploie dans tous les départements et évidemment dans tous les établissements. Nous avons formé l'année dernière 5000 personnels. Notre programme de formation cette année, c'est 10 000. Et donc, l'objectif, c'est d'ici encore 2 ans de plus, on ait terminé notre programme de formation. Alors, je suis rentrée par cette clé-là. D'abord, pour vous dire qu'il y a un travail magnifique qui a été élaboré au niveau national et l'appui du Conseil des sages, je tiens vraiment à le souligner, hein, pour ces programmes de formation, pour les ressources pédagogiques. Mais c'est surtout qu'au-delà de la formation, en fait, on est en train de refaire cohésion, refaire culture commune et faire en sorte que plus aucun personnel, plus aucun enseignant, plus aucun agent des collectivités ne puisse se sentir seul à un moment donné. Et ça s'assortit d'actions pour soutenir, parce qu'il y a des cas parfois un peu plus graves, avec des menaces. Donc soutenir avec intervention d'équipes mobiles de sécurité, équipes valeurs de la République, protection. Protection fonctionnelle, et protection fonctionnelle, ce n'est pas seulement payer des droits d'avocat, c'est accompagner les agents, être aux côtés pour aller porter plainte, leur apporter un soutien institutionnel au-delà de cette question. Et en faisant tout cela, eh bien alors après, on peut dire à chacun et chacune, vous pouvez signaler et vous devez signaler tout manquement, toute remise en cause des principes de laïcité, des principes de la République, des valeurs de la République aussi, car autour de vous, il y a une organisation, il y a une équipe, et il y a une cohésion de l'institution et un soutien de l'institution. Donc voilà, vraiment merci pour cette table ronde. Et si je veux terminer par un mot, c'est une invitation aux collectivités, tout particulièrement, monsieur le maire, à ce que nous puissions partager ces temps de formation et de débat. C'est le cas dans les établissements, la porte est ouverte aux agents des collectivités, et j'aurai évidemment d'autres occasions de le redire, mais je tiens à vous le dire aujourd'hui publiquement. Merci beaucoup, on va passer aux échanges, réactions de la salle, réactions des invités de table ronde qui je pense aussi auront peut-être des réactions suite aux propos de madame la rectrice, mais d'abord la salle. Ah oui, mettez votre micro par contre. Déplacez-vous pour aller piquer le micro d'un voisin. Je n'ai pas d'autre option. Le problème, c'est qu'il y a des collègues qui sont en visio qui risquent de ne pas entendre votre question si vous parlez fort. Donc, tenez par là, il y a des micros. Il y en a partout. Sauf pour lui. Oui, ben, c'est pas de chance, je suis désolée. Merci beaucoup. J'avais juste une question à tous les exemples que vous nous avez rapportés, madame. Vous réagissez comment dans ces cas-là? Vous en parlez entre vous? Vous êtes estomaqué? Vous êtes en colère? Vous contrez? Comment vous faites? Parce que on est dans le pratique le plus total. Déjà, la laïcité est basée sur du droit. La règle de droit ne se négocie pas. C'est la première chose. À partir du moment où on a ce prérequis, on n'est pas en colère, on n'est pas estomaqué, on réagit et on gère. C'est tout. Exactement. Effectivement, Olga a beaucoup d'aplomb. Je pense qu'on retient quand même la table ronde, qu'on a aussi des collègues sur lesquels s'appuyer et que de la formation de l'institution pour trouver des réponses qu'on n'a pas forcément de l'expérience. C'est vrai, par ailleurs, comme le disait madame la rectrice, la formation, l'information, la sensibilisation des collègues aux différentes situations, à la fois pour ne pas laisser passer des choses qui ne sont pas acceptables,
mais également pour avoir les bons réflexes pour répondre aux différentes situations ou cas qui peuvent se présenter est absolument indispensable. Donc là, pour les collègues, si je peux juste leur dire un mot, c'est n'hésitez pas, formez-vous, informez-vous et continuez à penser à ces valeurs qui sont nos valeurs communes et qui sont un outil du vivre ensemble. Oui. D'autres questions ? Oui. Oui, oui. C'est pour revenir à une question que Olga a soulevée, c'est l'inhumation des Lubavitch, vous avez parlé. Bon, ça, c'est une chose. Moi, je viens d'un village où tout le monde est dans le cimetière par ordre d'arrivée. Cependant, je vais à Montpellier, il y a des carrés ceci, des carrés cela. Est-ce que c'est la laïcité, la loi, la... Bref. Tout à fait. Donc, un cimetière est un espace neutre, laïque et non confessionnel. Mais depuis fort longtemps, les ministres de l'Intérieur successifs, parce que c'est une prise en compte de l'évolution sociétale, demande aux maires et aux exécutifs de créer des regroupements confessionnels. Donc en règle générale, il y a deux types de regroupements, juifs et musulmans. C'est juste une réponse à un besoin sociétal tout en respectant le principe de laïcité. Il ne faut pas oublier que, notamment pour les concitoyens qui sont de confession musulmane, le lien avec le pays d'origine devient souvent extrêmement ténu. Nous sommes face à des deuxièmes, troisièmes générations qui sont des Français, ce sont des barons de Caravette. Il est tout à fait logique qu'ils puissent rendre hommage à leurs défunts au plus près de leur domicile. C'est un facteur d'intégration républicaine réel. Donc dans ce sens-là, on respecte parfaitement le principe de laïcité. Je reviens à la tendance que M. Roder nous a, enfin les tendances que M. Roder nous a indiquées. Et je voulais savoir, alors bien sûr, j'ai entendu les petites anecdotes qui ne sont pas forcément très, très réjouissantes, mais auxquelles vous faites face. J'ai entendu Madame la rectrice qui disait qu'effectivement, il y avait de la cohésion, mais je pense que lorsqu'on jette un regard au niveau national et en prenant en compte ce que vous venez de dire, Monsieur Le Sage, je crois qu'il est quand même assez inquiétant. Alors, est-ce que, bien sûr, la laïcité, comme vous le disiez, madame, est juridico-politique, mais effectivement, elle est plutôt politico-juridique. Et dans ces cas-là, est-ce qu'il n'y a pas vraiment, depuis quelques années, une faillite de l'État ? C'est-à-dire que, à force de cumuler les lois, si vous voulez, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose si on n'applique pas la première qui est celle de base, la loi de 1905? On a tous les éléments pour le faire et un certain laxisme, voire électoralisme, ne nous amène pas directement à ce genre de choses. Merci. Qui souhaite prendre celle-ci qui est quand même... On se demande entre nous qui est Monsieur Le Sage pour savoir qui va répondre. Je ne sais pas si je dois vous remercier pour la question. Non, merci pour votre question, plus sérieusement. Écoutez, je crois que si on parle de l'école, hein, et moi je vais vous parler de l'école, je ne vais pas vous parler de la société de manière générale, si on parle de l'école, j'ai l'heure de croire que la loi est respectée. Dans la très grande majorité des cas, il est évident qu'au Conseil des Sages, nous avons quelques informations parfois sur des transgressions, mais qui sont sanctionnées par l'institution, sanctionnées, et d'ailleurs le ministre l'a rappelé dans sa circulaire du 9 novembre, la discipline, les sanctions doivent être appliquées si on doit aller jusqu'à la sanction après avoir dialogué, hein, avec les jeunes. Mais sanctions aussi, il peut y avoir contre des fonctionnaires. Et des fonctionnaires ont été sanctionnés par l'institution pour avoir refusé de faire enlever, par exemple, des signes ostensibles religieux. Moi, ce que je dirais, c'est que la formation
dont a rappelé Madame la rectrice l'importance, et je me permets, et je ne fais pas ça parce que Madame la rectrice est à côté de moi et que nous sommes à Montpellier, mais il est vrai que l'Académie de Montpellier est une des académies les plus actives en termes de formation. Nous avons une vision globale à Paris de ce qui se fait dans les différentes académies, et il est vrai que l'Académie de Montpellier est très active en termes de formation, et j'en profite pour avoir une pensée et saluer Thierry Duclerc qui gère ce pôle Valeurs de la République et qui est un inspecteur, un IAIPR, un inspecteur pédagogique régional d'histoire, absolument d'histoire-géographie, absolument remarquable. Donc, mais cette formation, je crois, mais ça je vous livre un avis tout à fait personnel, vous en ferez ce que vous voulez, je crois qu'elle doit s'adosser aussi à une, et vous l'avez dit en quelque sorte, repolitisation de la mission enseignante. C'est-à-dire que les enseignants sont porteurs des valeurs et des principes de la République. Et j'ai parlé tout à l'heure de Ferdinand Buisson, le rôle de la République, c'est de faire des républicains. C'est le rôle qui est confié à l'école. Il faut donc, me semble-t-il, que les INSPE, les Instituts Nationaux de Supérieur du Professorat et de l'Enseignement, que les professeurs eux-mêmes réinvestissent ce champ républicain d'un point de vue politique, parce que la laïcité défend un projet politique. Ce projet politique, c'est le projet républicain. Si nous ne croyons pas à ce projet républicain, nous aurons du mal à le défendre. Si nous sommes convaincus de l'utilité de la République et qu'il faut perpétuer la République dans ses valeurs et dans ses principes, et donc dans sa philosophie, alors nous aurons des enseignants mieux formés, mieux préparés à répondre aux contestations ou aux questions parfois qui sont légitimes aussi, des élèves, mais qui mettent des enseignants en difficulté. Je vous prends un exemple, c'est arrivé cette semaine dans mon établissement, parce que je ne sais pas si le sage c'est moi, mais si je suis sage, je continue à enseigner dans ma banlieue. Donc, comme quoi il y a même des sages en banlieue. Donc, un professeur de musique, qui décide de faire un cours chant profane, chant sacré. Il fait écouter un morceau de Messe des Morts, un Dies Irae, de Messe des Morts, impeccable, classe de troisième. Il fait écouter une sourate chantée. Un élève se lève, il dit « c'est insupportable », il part et claque la porte. Ce professeur est complètement désarçonné, complètement désarmé. Le jeune homme est pris en charge par la CPE, il explique à la CPE « Madame, il n'a pas le droit de dire que c'est de la musique ». Parce que ce n'est pas de la musique, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ce n'est pas de la musique. Je suis appelé, une sorte de pompier, je crois, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Ça, voilà, oui, bon, voilà. Et j'explique à cet enseignant qu'il a tout à fait le droit de faire écouter une sourate chantée en classe. Mais il doit, je crois, dire avant de faire cela, de dire, voilà, je suis professeur. Ce que j'enseigne relève de la raison et de la science. Je vais donc vous montrer scientifiquement que ce que vous allez écouter, c'est de la musique. Vous avez tout à fait le droit, parce que l'école ne demande pas l'adhésion. L'école de la République, contrairement parfois à ce qu'on pense, ne demande pas l'adhésion. Exactement. Et donc, vous avez tout à fait le droit, vous élèves, de penser que ce n'est pas de la musique et de croire, voilà. Mais moi, je vais vous montrer scientifiquement que la science dit que c'est de la musique. Parce qu'on peut poser des notes. À partir du moment où on dit des notes de musique, bien sûr. Oui, c'est vrai qu'on est en classe, donc on pourrait penser à des notes sur 20, mais non, des notes de musique. Et donc, tout simplement, on fait la différence entre ce qui relève de l'école publique, la raison, qui s'appuie sur la raison et sur la science, de ce qui relève de la sensibilité privée, c'est-à-dire de ses appartenances premières, que l'on doit aussi être capable de mettre en suspens le temps de l'école. Parce que si nous voulons construire du commun, c'est-à-dire que si nous voulons construire la République et perpétuer la République, nous devons être capables, comme le dit Jean-Claude Michéa, pour faire République, il faut se défaire d'un petit peu de soi-même. Eh bien, nous devons, chacun, être capable de nous défaire d'un petit peu de nous-mêmes. Et il faut dire cela aux élèves sans animosité aucune et sans coercition aucune, mais très calmement l'expliquer. Et si vous avez un élève qui vous dit « ça m'est insupportable », etc., eh bien cet élève doit être sanctionné. Et s'il ne supporte pas la sanction, et si ses parents ne supportent pas la sanction, ils ne font pas le choix de l'école de la République. Voilà.
Monsieur, vous avez fait part d'une inquiétude qu'on peut partager. Vous savez, Paul Ricoeur a été doyen de la faculté de Nanterre en 68. Il était au cœur du chaudron. Et puis, un jour, il fait une conférence de presse, après 68. Et un journaliste lui dit, quand même, vous, le philosophe de la liberté, vous n'avez pas hésité à faire appel à la police en 68, à Nanterre, quand même, il y a contradiction dans les termes. Et Ricoeur a eu cette réponse. Quand vous êtes en charge d'une institution, vous faites corps avec l'institution. Vous avez envie que ça marche. Et on devrait peut-être, en fait, garder toujours une petite distance par rapport à l'institution. Et moi, aujourd'hui, devant vous, je m'autorise à cette petite distance avec l'institution. On fait tout ça. On fait la formation. On essaie de répondre aux situations concrètes. Les équipes Valeurs de la République sont sur le terrain, dévoués, y vont, on soutient les professeurs menacés, etc. Mais quelquefois, c'est vrai, on est un peu découragé devant l'amplitude des problèmes. Surtout quand on est un vieux comme moi qui suit ces questions depuis 89. Quand on aurait pu être clair dès 89 pour s'éviter 50 ans de problèmes. En 89, j'ai rencontré le conseiller spécial du ministre, qui lui-même est devenu ministre par la suite de l'Éducation nationale. Et quand je lui dis, de ma petite place, très modeste à l'époque, qu'il fallait tenir bon sur les questions de laïcité, il m'avait répondu, mais pourquoi tu t'en fais? Nous sommes en octobre 89, laisse passer les vacances de Toussaint, tu verras, à la rentrée, on n'en parlera plus. Quelle clairvoyance, on y est encore. Donc, on peut partager votre inquiétude au sens où on a perdu beaucoup de temps et où on n'a pas su réagir à certains moments aussi fermement qu'il aurait fallu le faire. Moi, j'ai toujours regretté que les partisans de la force tranquille de 81 ne sachent pas se montrer tranquillement fermes devant l'apparition de ces signes et de ce nouveau courant politico-religieux qui... voilà, étant chaque jour un peu plus son influence, et en particulier sur nos concitoyens de confession musulmane. Alors voilà, on peut être inquiet, mais on peut aussi, sinon se rassurer, du moins être confiant dans l'action que mène aujourd'hui l'institution, parce qu'on ne reviendra pas en arrière. Le plan de formation qu'évoquait Madame la rectrice est un plan qui s'inscrit sur les 3 ans à venir encore, qui a commencé l'an dernier, qui se poursuit cette année, qui se poursuivra encore deux années scolaires. C'est-à-dire, au final, l'objectif, c'est de former 1 million d'agents de l'éducation nationale, de personnel. Ça n'est pas rien. On ne fait pas ça comme ça, bien entendu. Alors après, on peut aussi se dire, surtout quand on est au cœur de tout ça, qu'on regarde ça de près au Conseil des sages, on peut se dire qu'il ne suffit pas de dire qu'il y a de la formation. Encore faut-il être au clair sur le contenu de ces formations et de qui les mène. Bon, parce qu'on ne trouve pas 100 formateurs comme ça sous le sabot d'un cheval. Il faut aussi déjà qu'il y ait de la formation de formateurs, etc. Nous en sommes aujourd'hui, elle aura lieu la semaine prochaine, mardi prochain, à la 8e journée de formation de formateurs au plan national. Ils sont 1300 à être formés. Bon, c'est un travail de longue haleine. On n'en a pas fini, comme l'a dit le ministre lui-même au mois de septembre. On n'en a pas fini avec les questions de laïcité, on en a encore pour un moment, mais on a commencé à se repositionner, effectivement, à refaire cohésion, comme disait à l'instant Sophie Béjean, eh bien, on va continuer. Et l'idée de travailler davantage ensemble entre collectivités et services de l'État, en particulier de l'éducation nationale, ça me paraît très essentiel. C'est aussi une des recommandations du rapport que je citais tout à l'heure sur la formation des agents publics au principe de laïcité et même des formations interministérielles. Nous avons pu en parler, entre autres, avec le bureau de la laïcité qui a été créé au ministère de l'Intérieur en parallèle du bureau central des cultes et qui fait suite à l'Observatoire de la laïcité qui n'existe plus, donc le bureau de la laïcité, nous en avons parlé avec eux,
et on devrait aller, en tous les cas nous l'espérons, vers des formations multipartenariales, si vous voulez. Enfin, quand on dit formation, c'est déjà des échanges, parler entre nous, communiquer. Alors, je sais qu'il y avait d'autres questions, je suis confuse, le temps passe très vite, on a déjà 20 minutes de retard sur le timing. Bon, une dernière question et après on va clôturer. Merci Madame Béjean, c'était justement pour vous la question. Je prends mon exemple parce que pour moi en fait l'école c'est vraiment la continuité de l'éducation qu'on a à la maison. J'ai un papa musulman, une maman chrétienne et moi j'ai pris le boulevard au milieu qui est justement en fait le boulevard des valeurs de la République. Alors je me demandais justement, là vous avez pris l'initiative de faire des formations auprès du corps enseignant et je vous en félicite, mais je me demandais comment est-ce que vous pourriez impliquer les parents justement dans ces formations-là pour que justement ça fasse cohésion. Parce que pourquoi ? Parce que même si vous faites un travail exceptionnel avec l'ensemble des enseignants, quand on revient à la maison et si on n'a pas justement ces informations-là, malheureusement tout le travail qui est fait est détricoté. Et je sais par expérience que ce soit les grands frères ou parfois des parents qui ont une religion forte, etc., ça peut nous influencer. Or, si vous avez des parents ambassadeurs, porteurs des valeurs de la République, qui les inculqueront à d'autres enfants, voire à d'autres parents, je pense sincèrement que ce serait peut-être efficace et un bon moyen en tous les cas de justement retrouver cette cohésion et de montrer en tout cas à l'ensemble des Français que la laïcité n'est pas un gros mot, mais au contraire une très très belle valeur qui est apportée pour toute la France. Voilà, merci. Vous avez raison, le rôle de l'école c'est en direction des enfants d'abord, des élèves, voilà, enfants petits et grands. Et la question de ce qu'on appelle dans notre jargon peut-être la parentalité, c'est-à-dire la relation avec les parents d'élèves, c'est une question essentielle. Je pense que ça n'est pas le rôle des enseignants de former les parents à la laïcité, même si dans les ressources et les cas concrets qui sont donnés dans les formations et dans les guides, il y a aussi des cas concrets sur un parent vous interpelle sur telle situation, comme Alain Sexig avait été interpellé sur ce que mangeait un enfant dans son école. Bon, donc il y a aussi ces cas concrets-là qui sont présentés pour qu'un enseignant soit armé pour dialoguer avec la famille, avec les parents, et expliquer pourquoi le cadre de l'école de la République est un cadre laïque, où s'applique en outre l'interdiction du port des signes religieux. Donc nous sommes là aussi pour armer mieux nos enseignants, nos personnels, à ce dialogue avec les parents. Mais ce dont je suis persuadée, c'est que la relation avec les parents, au fond, c'est la relation avec les citoyens. Et là, ce n'est pas l'école toute seule, c'est l'école avec les élus des collectivités, c'est l'école, les élus de la République, c'est l'école avec les autres services de l'État qui peuvent agir ensemble, par exemple dans les cités éducatives, et on en a une ici à Montpellier, pour convaincre les parents de toute origine et de toute croyance ou non-croyance que l'école est là pour que leur enfant puisse devenir un citoyen de notre République et avoir aussi un avenir et lui donner des perspectives à cet enfant. Donc ça va au-delà de la question de la laïcité. Hein. Je crois que c'est en montrant ce rôle de l'école, mais nous ne pouvons pas le faire seuls en direction des parents. C'est l'école, les élus et les autres services de l'État qui peuvent le faire. On a vraiment pris trop de retard, on va conclure. Il y aura des temps d'échange informels si les intervenants l'acceptent de rester 5 minutes de plus pour les questions non répondues. Je vous passe la parole, monsieur le maire. D'abord, je voudrais remercier, faire cette observation. Nous sommes le 9 décembre. Jour anniversaire de la loi d'adoption de la séparation des Églises et de l'État. Et pour la deuxième année consécutive, à Montpellier, nous consacrons un temps fort à la question de la laïcité, du point de vue du droit, des principes, des valeurs,
des tensions qui peuvent s'exprimer. Et c'est pour moi, comme maire et pour l'ensemble des élus, une très grande fierté. Et au fond, ça ne devrait pas l'être. Car partout en France, le 9 décembre, nous devrions, de la même manière que nous le faisons aujourd'hui, débattre de cela. Mais en même temps, nous avons beaucoup de chance. Je voudrais commencer par remercier nos intervenants, mais saluer particulièrement la présence de Mme la rectrice, qui nous fait l'honneur de sa présence et qui a rappelé, puisque nous nous retrouvons souvent ensemble, l'engagement de l'Académie. Et qu'il me soit permis, Mme la rectrice, moi aussi, de m'associer aux propos élogieux en direction de Thierry Duclerc, dont dans les salles des professeurs, nous entendons le plus grand bien, la mienne ce matin. Évidemment, saluer les fidèles, cher Alain, cher Yanis, parce que l'année dernière déjà, et dans nos échanges réguliers, vous êtes là et vous faites honneur à Montpellier. Vos prises de parole sont fortes, elles peuvent parfois être reçues comme préoccupantes, mais elles ont un devoir de vérité pour éclairer le débat démocratique. Nous avons la chance, monsieur le professeur, cher François-Xavier Faure, vous avez toujours répondu non, mais le droit est le garant de nos libertés et donc de la capacité à pouvoir dire oui. Mais merci de vous être prêté à ce jeu de cas pratiques, comment on répond. Et par chère Olga, dont vous avez pu comprendre de par la tonalité, je me suis permis de lancer la locution latine, dura lex et lex, mais la clarté du droit est sans doute la meilleure des protections. Je voudrais saluer également notre déontologue, mais le juge Régis Kérol, qui nous fait l'honneur de sa présence. C'est à la fois un très grand magistrat, très regretté au palais, qui est là, mais nous avons la chance de l'avoir comme déontologue. Je voudrais saluer également Laurent Poulain, qui est l'ancien référent laïcité du Grand Orient de France, et qui est là. Nous avons accueilli à Montpellier le Covent, et ça a été un moment très fort, et ces questions, sans les dévoiler, sont questions très importantes, et nous avons eu l'occasion d'échanger. Je voudrais avoir un mot très particulier, chère Marie Cabrette, à votre endroit. Parce que le temps passe, et parfois, les choses s'oublient. Vous avez été dans les attentats de Charlie Hebdo, dans ce qui est une épreuve pour vous intime et pour nous tous, Françaises et Françaises, et de par le monde, une épreuve collective qui a ébranlé au plus profond de nous nos valeurs. Et nous sommes extrêmement honorés, je veux vous le dire en ces termes, de vous savoir présente ici et que ce soir, dans l'auditorium de la Panacée, qui n'est pas le grand théâtre ou le petit théâtre, mais qui est un des lieux de la culture de notre ville, où au-dessus il y a une résidence d'étudiants gérée par le Crous, où nous accueillons des artistes du monde entier, où nous y défendons inlassablement la liberté d'expression et de création, que le texte de Charb puisse être joué. Parce que je veux vous le dire, qu'avec la plus grande solennité qui est la mienne comme maire, ici, nous ne renonçons jamais à défendre la liberté. En vous accueillant ce soir, c'est la fidélité qui est la mienne depuis les premiers jours où je suis à cette tribune. En ayant avec Mme la rectrice dénommé une école Samuel Paty, votée à l'unanimité des membres de cette assemblée, où nous voyons dans d'autres villes et dans d'autres territoires des polémiques, peut-être des inquiétudes, et elles sont légitimes. Mais si nous, nous cédons à la peur, nous, les élus de la République, comment la République et ses valeurs peuvent-elles tenir? Et donc ce soir, dans cette journée, c'est pour nous un grand honneur et merci. Je veux vraiment vous le dire, je veux que l'assistance entende cela. Parce que ailleurs, on a reculé. À Montpellier, jamais. Alors, dans cette
seconde édition de la journée de la laïcité. Dans cette salle, l'année dernière, c'était au Corum, et nous l'avons voulu dans cette salle. Et je veux dire pourquoi. Car les symboles ont leur importance, comme le programme. Ici, c'est la maison commune. Ici, c'est la salle du conseil municipal. Ici, c'est la salle qui produit du droit et qui délibère des orientations qui sont les nôtres. Dans cette salle, ces questions se posent sur le rôle des agents, sur l'école. Tout ça, nous le traitons. Et nous voulions que cette journée se tienne dans la salle du conseil municipal, qui est la salle la plus prestigieuse de cet hôtel de ville. Et en écoutant la conférence de Patrick Veil et en vous écoutant les références et citations généreusement offertes, donc j'aimerais bien les récupérer, c'est mon message, parce que j'ai pas eu le temps de tout noter, mais on délibère et on débat sous cette œuvre, qui est le film d'Abel Gance sur Napoléon, qui était un film de 7 heures, qui est un film de 7 heures. Et l'extrait qui a été choisi, c'est la période révolutionnaire. Et vous voyez, il y a Mort aux tyrans, la Marseillaise, le combat pour des valeurs, l'engagement pour des valeurs. Et c'est sous ces auspices que nous délibérons. J'en profite pour dire à l'assistance que c'est à Montpellier qui postule pour être capitale européenne de la culture en 2028, que l'année prochaine, dans le cadre de Radio France, eh bien, cette œuvre patrimoniale va être présentée au public, au Corum, avec l'Orchestre national de France. Et c'est un élément patrimonial, culturel, exceptionnel. Je ferme la parenthèse, que nous tenons cette journée de la laïcité. La laïcité, on doit la réaffirmer en droit. D'ailleurs, le droit n'a pas beaucoup changé. La loi de 1905 n'a jamais été réformée. Mais Patrick Veil nous a rappelé aujourd'hui que parfois, elle avait été un peu oubliée sous certains articles. Et nous avons tous eu frisson quand il nous a raconté que l'article 35 aurait pu être utilisé contre cet imam absolument abject, et qu'on a fermé le lieu du culte, mais qu'on n'a pas sanctionné l'imam qui a prêché à la haine. Dans un pays où, comme principe, nul n'est censé ignorer la loi, et où visiblement même le garde des Sceaux, grand juriste s'il en est de par sa profession, elle était tombée dans l'ignorance. Réaffirmer la connaissance du droit, la loi de 1905. Comprendre le sens de la loi de 2004, rappelée ici à plusieurs reprises, sur à la fois qu'il ne peut s'exercer de pression sur l'institution scolaire par le fait religieux et l'obligation de neutralité. Évoquer aussi, parce que très modestement, comme référent laïcité à l'Association des maires de France, la loi sur le séparatisme, dont deux articles font écho. Le premier, c'est l'article 1, qui étend le principe de neutralité du service public aux agents sous DSP, délégation de service public. Avez-vous vu ce fait divers ? Oui, fait divers. Il n'y a jamais de fait divers. Ce fait qui doit nous obliger, du chauffeur de bus. Eh bien, heureusement qu'il y a la loi sur le séparatisme qui a étendu le principe de neutralité des agents pour sanctionner ce chauffeur de bus. C'est dans cette assemblée-là que nous avons voté la conséquence de la loi pour que notre société de transport, TAM, mais aussi nos crèches, mais aussi un certain nombre de nos délégataires, pour étendre le principe de neutralité. Et puis, dans la loi sur le séparatisme, dont certains, à tort, demandent l'abrogation, peuvent demander l'amendement. Moi, ça, je le comprends. Mais il y a cette idée qu'il faut former les fonctionnaires, qu'il faut permettre aux fonctionnaires de comprendre, de connaître les textes. Et ici, cette journée, elle est retransmise, et je veux les saluer, chère Emma, chère Olga, auprès de l'ensemble des agents de la collectivité. Parce que tout ça ne se sermonne pas. Salut Théo, c'est mon stagiaire de troisième, madame la rectrice. À bientôt. Mon stagiaire, il fait son stage avec moi, il est en troisième. Il découvre ce qu'est la fonction d'élu local.
Il n'est pas déçu du voyage, mais je crois qu'il a apprécié. Les fonctionnaires, les agents du service public, ceux qui sont dépositaires au quotidien des principes fondamentaux. Et donc, nous ouvrons cette journée à travers les écrans et à travers les collègues qui sont présents pour les sensibiliser. On voit bien, Madame la Rectrice, et je réponds très favorablement à votre proposition. Et de la même manière, nous, dans notre projet d'administration, eh bien, nous avons mis cette question autour des enjeux de la laïcité au cœur du projet. Et moi-même, j'ai suggéré, en participant au groupe de travail comme maire, que, par exemple, chaque fois que nous faisons des entretiens pour recruter des agents, une question, à votre manière, professeur, soit posée pour savoir comment ceux qui vont exercer les missions de service public sont sensibilisés aux enjeux de laïcité. Voilà aussi un chemin pour réaffirmer. Alors, plusieurs choses appellent mon propos. Moi, je suis en fait le seul politique ce soir. Mais quand même. Je crois que notre édifice juridique est très bon. Patrick Veil nous l'a rappelé. Les législateurs successifs ont jugé utile d'intervenir sur des aspects. La question est la suivante. C'est le courage et c'est la clarté. La clarté, c'est de dire où est le droit. Et le courage, c'est de ne pas faire l'autruche quand nous sommes face à des problèmes. Et d'affronter les situations. Il y a parfois cette phrase qui est utilisée sur pas de vague. Pas toujours la bonne. Mais ces professeurs qui se sentent intimidés, qui renoncent à une partie de leur enseignement, eh bien souvent c'est parce qu'ils se sentent un peu seuls, un peu isolés. Ce n'est pas pour jeter la pierre à l'institution, mais ça vaut aussi dans la collectivité, c'est-à-dire ce sont ce qu'on va appeler les signaux faibles. Et on se détourne parce qu'on se dit que déjà la tâche est difficile sur tant d'autres sujets et affronter cela est difficile. Et ici à Montpellier, ce que nous avons voulu faire, en tout cas ce que je veux conduire comme maire, c'est précisément remettre de la clarté, en réaffirmant avec courage ce que est notre droit et être en situation d'accompagnement, de pédagogie et de fermeté chaque fois que c'est nécessaire, pour que chaque agent de la collectivité et au fond chaque citoyen de la ville puisse dire il y a clarté dans les positions, il n'y a pas interprétation. Celui qui a été aveuglé par un mammouth, si j'ai bien compris le conseiller de l'époque, cher Alain, eh bien non, il faut qu'on puisse dire que le premier magistrat de la ville, qui a sous son autorité un directeur et une administration, s'exprime avec clarté. Cela compte pour nous, Madame la Rectrice, dans le dialogue que nous avons avec le corps enseignant, dans les responsables prérogatives qui sont les nôtres, pour être aux côtés sur chacune des situations et aux côtés de vos équipes. La clarté. Et puis le courage. C'est dans cette salle que nous avons signé la première charte de la laïcité, qui a été pour nous un moment très clair où nous avons dû rappeler à des gens qui avaient confondu le bien public, qui en faisaient un espace culturel alors que c'était illégal, et donc rappeler le droit. Et nous l'avons fait dans un premier temps avec diplomatie, dans un second temps avec fermeté. Mais nous y sommes arrivés. Et à un moment, ce que moi j'appelle de mes voeux, c'est finalement à une remobilisation républicaine, à une réaffirmation de nos principes. Parce qu'il y a aujourd'hui des entreprises de déstabilisation, plus ou moins savamment organisées. Il ne s'agit pas de désigner ainsi. D'abord, quand d'autres collègues maires mettent des crèches dans les halls de leur mairie, eh bien là, ils se trompent. Un sapin, ça relève d'une tradition. Une crèche, c'est une atteinte au principe de neutralité. Et quand l'État n'est pas ferme sur ce sujet, il fragilise l'ensemble de l'édifice. Cette clarté-là, elle est nécessaire. C'est aussi les formes de confusion qui vise à utiliser le magnifique terme de laïcité
comme un glaive, quand celle-ci est une valeur de concorde, garantir la liberté de croire ou de ne pas croire dans le respect. Et la très belle démonstration sur l'article 31 et 35 de la loi de 1905 nous le rappelle. La liberté de conscience sans pression. C'était très, très instructif. C'est aussi ceux qui entretiennent des confusions. Et j'ai beaucoup été touché par l'interpellation des adjectifs qu'on veut rajouter au terme de laïcité. L'année dernière, Henri Pénarruis, ici, à Montpellier, mais cette fois c'était au Quorum, on avait dit « mais il n'y a pas besoin de cet adjectif ». Parce que si on met un adjectif, on minore d'autres aspects, alors qu'au contraire, c'est un ensemble. Et puis, parce qu'on entretient ces confusions, qu'il y a du trouble. Et donc, il faut cette réaffirmation par ceux qui sont dépositaires des valeurs de la République, les fonctionnaires, les élus locaux, et l'ensemble des citoyens qui croient dans le projet républicain. Et je crois que c'est ça, c'est ce chemin qu'il faut prendre. Il y a des signaux d'inquiétude, il y a des signaux épouvantables. Notre pays a vu ressurgir le fanatisme religieux. Cette ville, Montpellier, l'a connue, l'intolérance religieuse contre les protestants. Elle emporte les stigmates et elle a façonné son esprit de tolérance. Le fanatisme catholique a existé. Aujourd'hui, c'est le fanatisme islamique et il faut le dire pour le combattre, pour sans doute mieux protéger tous ceux qui croient ou qui ne croient pas dans la diversité de l'islam. C'est fondamental de poser les choses. Et puis, il y a peut-être une autre réflexion que nous devons mener. Et ça a été dit en filigrane. Alors, je ne connais pas la citation par cœur, mais je l'ai découverte hier dans le débat avec Patrick Veil. Je ne sais pas si l'emprise du religieux est plus forte ou moins forte qu'avant. Si on écoute Patrick Veil, il tend à dire qu'elle est en déclin. Par contre, il ne faut pas être aveugle pour constater qu'il y a des entreprises religieuses qui cherchent à exercer des pressions et qui sont le fondamentalisme. Et c'est pour cela qu'il faut aussi une république sociale, des services publics forts, une école forte, dans laquelle qui est respectée avec l'autorité des professeurs, de ses personnels. C'est pour cela, Madame la rectrice, qu'à vos côtés, et un jour nous avons reçu avec Madame Dombrecoste un très beau compliment, que nous avons, là où les services publics, où la République avait un peu faibli, nous avons jugé utile de lui redonner de la présence et de l'ambition en créant le plan de soutien public laïque gratuit. Et un jour, on nous a dit de soutien scolaire. On y consacre 800 000 euros d'argent public. Hein. Eh bien, un jour, quelqu'un de l'institution scolaire nous a dit, Monsieur le maire, Madame la première adjointe, eh bien, ça fait baisser la fréquentation des écoles confessionnelles. Et nous en avons été très fiers, parce que nous n'avons jamais remis en cause la liberté de fréquenter une école confessionnelle, mais nous avons garanti la liberté de choix pour avoir le soutien scolaire. Et donc là, nous avons répondu, et Fernand Buisson disait « former des républicains », cher Yanis, tu le rappelais. C'est vrai, l'école, elle ne dit pas ce que l'on doit penser. Elle forme à l'esprit critique par la raison. Et c'est une entreprise assez extraordinaire qui est sans doute plus exigeante que la certitude des dogmes qui, eux, s'imposent. Et donc, il faut l'emprunter. Alors, hier, Patrick Veil m'a offert dans son livre quelque chose d'assez incroyable en citant ce débat sur la loi de 1905. Alors, je vais le lire parce que je veux vous l'offrir en partage. Moi aussi, ma citation. « Pour Briand, il est impossible de traiter sur le pied de l'égalité quand il s'agit du droit de la parole, le prêtre dans sa chair et le simple citoyen. Dans une tribune de réunion publique, les lieux, les circonstances du délit, l'autorité morale de celui qui le commet, sont des éléments dont il est impossible de ne pas tenir compte.
aucune assimilation n'est à faire entre la portée, les conséquences d'un discours de réunion publique devant un auditoire averti où toutes les opinions sont le plus souvent en présence, où on est habitué à faire la part des exagérations, où la contradiction, toujours possible, offre toutes les garanties de mise au point. Et celle, à l'opposé, d'un sermon prononcé par un ministre du culte devant des auditeurs livrés inertes et sans défense par la croyance ou la superstition aux suggestions d'une parole qui tient sa force des siècles et n'a jamais été affaiblie par la controverse. Eh bien, ce soir, nous avons un débat contradictoire. Les points de vue s'expriment. Et ça, c'est la force d'une démocratie. Et si nous en sommes capables, c'est parce que nous avons la laïcité en héritage, en conviction, mais surtout en principe de droit. Et je trouve que cette phrase de Briand dit juste pour nous dire qu'il faut réaffirmer la laïcité par le droit, son explicitation, sa sensibilisation auprès des agents publics, mais aussi d'un point de vue social. Et c'est pour cela que ce soir, il faut que Charb, dans l'esprit de Charlie, soit joué. Parce que justement, il faut offrir à nos concitoyens cela. Ils aimeront ou ils n'aimeront pas. Ils diront c'est nul ou c'est formidable. Et ce sera l'esprit de contradiction d'un public averti. C'est pour cela, ici, à Montpellier, que nous défendons l'idée et la place de la culture, même si Alès va être, j'espère, capitale française de la culture. Et je vais terminer, mesdames et messieurs, mon propos par des remerciements collectifs à vous, pour vous dire que nous tiendrons évidemment une autre journée de la laïcité, mais que nous, le 9 décembre, vous l'avez compris, c'est toute l'année. Et que, à la question que posait Patrick Veil, ou qui a été posée sur la laïcité dans le monde, quand vous êtes entré dans cette mairie, vous avez vu cette banderole de soutien aux iraniennes qui luttent pour la liberté contre l'obscurantisme. Et le plus beau cadeau qui m'a été fait ces dernières semaines est le suivant. Quand nous avons dévoilé cette banderole, nous avions des larmes d'émotion de concitoyens d'origine iranienne qui avaient de la famille. C'était absolument bouleversant. Mais elles sont venues nous voir, ces femmes, et certaines m'ont dit, « Monsieur le maire, ce que vous dites est fait en faveur de la laïcité. Ne lâchez rien, c'est pour nous une force d'espoir. » Voilà, dans cette salle, ce que nous pouvons aussi dire. La laïcité est une forme d'espoir pour des hommes et des femmes qui, eux, vivent sous l'obscurantisme. Elle est une forme d'espoir parce qu'elle est un projet d'émancipation, la laïcité, et que même s'il y a beaucoup de collègues dans l'enseignement ou de situations difficiles, elle nous montre aussi, dans notre ville, Montpellier, dans notre magnifique pays, la France, qu'elle est quand même un formidable outil qui a fait son œuvre émancipatrice et que quand la jeunesse doute, si les pédagogues sont soutenus et au rendez-vous, nous retrouvons des chemins d'espérer et je crois que nous allons y arriver à condition qu'on fasse plus souvent des journées comme ça. Voilà, merci à tous et à toutes pour votre présence et votre contribution. Voilà, il y a un petit pot là. On offre un... Il y a un petit pot ? À nouveau ? Non ? Ah, on est à la diète, pardon. Merci, non, ben oui. Merci à tous de votre présence.